sur le monde vidéo. Alors Yacine, vous êtes le président de Rousset, une nouvelle aventure, mais qui va commencer par un gros morceau déjà. C'est notre deuxième match de Coupe de France et c'est vrai qu'on va chez nos amis de Sainte-Maxime. Ouais, c'est des amis en plus. Ouais, c'est des amis. Ils ont battu en finale de notre tournoi. Ouais, je sais. En préparation. Donc c'est une équipe qu'on a déjà joué et qui nous a déjà un premier coup. Et là, ben, toujours pareil, dans cette optique de préparer notre championnat. Donc on va se faire sur le long déplacement. Bon, je suis habitué, déjà l'année dernière, on était habitué à voyager. Merci à la France entière bientôt. C'est pas une surprise. C'est un plaisir aussi. Bah, c'est un plaisir de jouer à la Coupe de France, certes, oui, c'est même un honneur. Mais après, de faire ces déplacements de folie, c'est vrai que c'est un peu usant. Ouais. Donc après, on va pouvoir jouer pour préparer notre saison et on va jouer à fond. Quoi. Au niveau de l'équipe, elle est au complet? Non, on a des blessés. Hein, on a des blessés. L'infirmerie, elle s'est remplie, elle est en train de se vider. Et j'espère qu'on pourra attaquer le championnat avec l'effectif complet. J'ai vu que Munira était rentré qu'à la dernière minute. Ouais. Ce qui n'a pas empêché de marquer un but. Et c'est un petit que j'aime beaucoup. C'est un petit qui a le sens du but. Ouais. Qui est très très discret. Ouais. Et qui est travailleur. Pourquoi il est rentré qu'à la dernière minute? Ah ben, vous savez, moi je suis président, je ne suis pas. Oui, non, d'accord, mais non, mais s'il était blessé ou quelque chose comme ça. Non, non. Ah, ouais. C'est un choix de l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur. Alors on respecte. On respecte. Merci Yacine, à bientôt. Ça au revoir.